Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui côté et à qui l'est ou attendez information ça sous gros chaîne nan TV La Caille. Chaîne information qui entre La Caille, nous capable de partager certaines informations qui dominer la République. Côté, nous allons commencer comme ça. Promesse ses dettes, chef l'État, depuis la campagne électorale, président Jovenel Moïse dit te promettre avec population. Côté, nous allons construire caille pour policiers, infirmiers et professeurs d'école. Nous connaissons qui toujours n'ont problème pour yon jeune kaye parce que ti kob ki yon touche a pas satisfait même pour yon jeune à occupation famille il est pour yon paye kaye la Port-au-Prince ou bien dans l'autre côté kaye c'est tête nèg dans pays d'Haïti mais te promet ça mais ça fait un bon bout de temps ça va jam ka déclencher et bien nous allons suivre commissaire gouvernement AI Port-au-Prince qui c'est monsieur maître Gabriel Dicamel commissaire gouvernement AI Port-au-Prince même qui a réagi sous côté le défend coup de pied dans zone côté y a commencé bâti caille pour policiers yo mais côté il t'a adressé avec population hein, sous et bien construction maison ça quoi le fait pour policiers côté nous connaît policiers qui pas touché l'argent pour travail qui a bail dans pays d'Haïti c'est la même vidéo ça a tout n'a suivre et bien directeur LEPPLS là qui c'est Yvon Bisret lui-même qui a réagi sous caille ça qui pas le construire il dit que eh ben si y a pas de bilan politique depuis 3 ans et t'as gagné combien milliers de cailles qui construit la pays a eh ben nous allons inviter pour nous suivre directeur général LEPLS là avec commissaire gouvernement eux même qui a réagi côté ils font coup de pied dans zone côté nous allons bâtir pour policiers et nous déjà dit son bon bagage qui fait pour policiers parce que nous connaissons qui misait policiers nous à vivre dans pays d'Haïti. On a regardé là, il répond à une promesse de campagne que le président Jovenel Moïse a fait. Côté que tout au cours de sa campagne électorale, il était promet que la construit des logements sociaux pour des catégories qui sont beaucoup plus faibles. Par exemple, pour des professeurs d'école, des policiers et des infirmières. Alors, en 2018, il y a un arrêté que le prend. Il déclarait zone ça d'utilité publique. Et malheureusement, il y a des individus qui envahissent l'espace là, en fait, manu militari et qui fait de construction anarchique. Donc, nous transportons sur les lieux. Il y a le directeur général de la PNH, parce que tout au commandement PNH là, moi, j'ai un directeur général EPPLS, j'ai un secrétaire d'État, et moi-même, comme commissaire gouvernement, accompagné de juges de paix, nous venons sur les lieux, nous constater l'ensemble des constructions anarchiques qui érigées sous propriété, et il y a des monde que nous tendons, et nous tout profiter de ce monde que toute construction qui est faite après arpentage des GIA, donc l'État a pris une décision pour caser rapidement. Et nous rappeler tout le monde tout, que y a un avertissement de 48 heures pour vider les lieux. Non, pour le moment, côté nous est là, on va regarder c'est des débits de construction. Il y a plus fondation, c'est pour un espace qui est vraiment habité, qui est occupé. Peut-être de l'autre côté que nous allons traverser là avec juge de paix et le nous arriver moins de plus monde. Mais pour le moment, côté nous est là, à peine gain 2 ou 3 maisonnettes. Mais après ça, c'est de sol, de début de construction gain. Donc, le ça, on a agi beaucoup plus facilement. Nous connaissons qu'il y a un pile problème pendant le mandat président Jovenel. Nous connaissons un phénomène pays loc. Et puis après ça, il y a Corona. Et ça fait vraiment un travail qui a démarré. Nous songeons depuis 6-7 juillet 2018, ça qui est passé. Depuis la crise de pays loc. Et tout travail qui était fait, ça s'est bloqué. Nous ne pouvons pas déplacer. Et tout groupe développement nous avons démarré le travail ça yo et bien pas de cas démarré yo parce que avec phénomène pays loc là et puis nous venons tomber dans la pandémie mais sinon travail ça fini c'est clair d'avoir remettre déjà à bénéficiaire qui c'est policiers infirmières enseignants alors songe phénomène ça a commencé depuis en mois de juillet 2018 qu'on y a là ou en 2020 là ça fait plus que 2 ans après pays loc vient une pandémie corona généralement comprendre ça. La construction, ça a été construite et dirigée en 10 mois à 12 mois. Ce n'est pas de phénomène ça comme moins d'eau, c'est clair d'après-mètre.
Mais malgré, président, vraiment, nous avons environ moins que 2 ans pour mandat fini, pour le 7 février 2022, mais nous avons gardé fini à travailler. Tout terrain côté nous est là, nous avons 600 appartements, c'est-à-dire 600 familles. Et de l'autre côté, nous avons 1600 de l'autre côté. C'est un programme lié, même lorsqu'après le mandat du président Jovenel, le programme a toujours continué. Mais si pas de problème, avant le mandat, au moins il faut qu'on construise à peu près 50 000 à travers le pays. Et pas seulement dans le département de l'Ouest, c'est à travers 10 départements géographiques du pays. Le programme là, c'est logement abordable pour les fonctionnaires publics. D'abord, on a commencé avec policiers, infirmières, enseignants. Nous avons 3 catégories professionnelles qui n'ont pas un gros salaire, qui n'ont pas un gros argent, mais qui travaillent très dur. Et le président a fait promesse ça. Quand on promesse des campagnes, il a dit, catégorie ça, depuis le président, il faut permettre un logement décent pour dormir. Mais ce programme ça, c'est lui-même qui a mis en application là. Et semaine prochaine, nous allons démarrer d'emblée avec construction, notre terrain qui est à proximité par les municipales d'Elmar.